Voici une recette de coulis de fraises avec cuisson. Donc ici, nous allons faire cuire nos fraises. On va juste mettre du sucre et porter les fraises à ébullition à feu super doux, on va dire à feu moyen environ. Voilà. Donc vous lavez et puis vous équeutez vos fraises, ne faites pas le contraire, sinon l'eau rentre dedans. Donc vous les découpez comme ça, vous mettez du sucre et vous les mettez directement au feu, à feu moyen. Petit à petit, l'eau va sortir de nos fraises et donc elles vont commencer à cuire dans leur eau. Voilà, les morceaux vont fondre tout seuls, mais vous pouvez les aider comme ça avec une cuillère ou un fouet ou une fourchette. Et c'est tout. Vous allez donc, voilà, c'est prêt, hein, le coulis de fraises est prêt. Vous pouvez décider par exemple de le filtrer, voilà, le passer au chinois, ou alors vous en servir directement comme ça sans le filtrer, ou même le mixer et utiliser directement comme ça. Bon, moi j'ai filtré une partie et une autre partie, je l'ai laissée telle quelle, je ne l'ai pas filtrée. Ce qu'il faut faire là à présent, pendant que c'est encore tiède, c'est filmer au contact. Laisser au frigo et voilà, ça va s'alourdir. Ça, c'est l'autre partie qui n'a pas été filtrée. Voilà, je vais aussi la mettre au frigo et vous verrez qu'après, ça s'alourdit très bien. Vous pouvez l'utiliser pour vos verrines, pour vos cheesecakes, pour tous vos autres desserts en tout genre. Sincèrement, c'est une recette qui peut, voilà, vous être utile pour tellement d'autres choses après. Moi, j'espère que la recette vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et miam miam, et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles.